Voce mea, Dominum, de precatus sum. Les grottes, falaises, calanques qui entourent Bonifacio. On va directement commencer cet îlot qui se trouve entre la Corse et la Sardaigne, l'îlot de San Balizo, qui était une ancienne carrière romaine de granit. Et donc il a été récupéré le 11 novembre 1932 par les marins pêcheurs bonifaciens et érigé à bord d'un chaland. Il mesure un peu plus de 7,50 m. Dans le chemin de ronde. Elles ont été édifiées entre le 11e et 13e siècle par les Génois. Côté du bateau. On va également découvrir sur la droite la jolie plage de Facio qui est accessible depuis le port de Bonifacio où il faut compter quasiment une heure de marche. D'ailleurs ici est basée une célèbre école de voile bretonne, les Glénans, qui ont le campement juste là derrière la plage. Et donc on découvre également tout autour du bateau hein, des centaines de poissons où on va retrouver essentiellement. De nos jours en empruntant un escalier qui a été taillé à même la roche et remontant la falaise de plus de 150 marches. Il s'emprunte au niveau du parking Saint-François en Hauteville. La population qui réside dans cette vieille ville et le reste habite à la campagne ou sur la marine. We'll be right back.
Bonifacio, notre petite balade qui s'achève. En espérant que ça vous ait plu, que vous en garderez un bon souvenir. L'équipage du Thalassassin vous remercie à tous. On vous souhaite un très bon séjour à Bonifacio, ainsi qu'en Corse, une très bonne fête.